maintenant, tout de suite. Vous êtes l'avocat de Majoubi. Quand avez-vous appris que votre client avait été emmené? C'est la fin pour monsieur. Très rapidement, permettez-moi de vous dire d'abord que j'ai mandat par monsieur Majoubi, avec qui j'ai pu m'exprimer, parler avant qu'il soit interpellé, et sa famille, pour vous répondre. Alors, il a été interpellé il y a une petite demi-heure à son domicile par des services de police qui lui ont notifié un arrêté d'exclusion émanant du ministère de l'Intérieur. Putain. Avec un placement en rétention administrative immédiate en centre de rétention en région parisienne. Donc, vous comprenez la difficulté. Il habite à Bagnols-sur-Cèze, donc plus de 700-800 km à effectuer. Le transport est en cours pendant que je vous parle. Et effectivement, nous disposons d'un délai de 48 heures pour contester l'arrêté d'expulsion du ministère de l'Intérieur. Donc, ce dont nous allons nous atteler tout de suite. Donc, votre client est actuellement en route pour la région parisienne. Putain, les gars, j'espère que l'avocat va être solide, hein. Là, on espère que... Là, l'avocat, si tu vas avoir du buzz, il faut que tu sauves ton client, mon gars. L'avocat, on compte sur toi, mon gars. Absolument. Pendant que je vous parle, il est en route pour la région parisienne. Tout à fait. Dans quel état d'esprit est-il? Il me dit de vous dire. Quand je dis vous, c'est l'opinion publique, les médias qu'il avait interviewé pendant plusieurs jours, de manière très correcte et cordiale d'ailleurs. Il est abasourdi, bouleversé. Cette interpellation a eu lieu en présence d'enfants mineurs qui sont dans un état de détresse qui est difficilement explicable. Son épouse, c'est là. Donc, devant son épouse et des enfants mineurs, ils sont abasourdis, sonnés dans un état de détresse qui est indescriptible. Vous allez, vous venez de nous le dire, contester cette procédure? Oui, absolument. Je vais contester cette procédure par le biais d'une procédure qu'on appelle le référé expulsion devant le tribunal administratif de Paris, qui est le juge censeur des actes administratifs pris par l'autorité ministérielle de la place Beaubourg, ministère de l'Intérieur. Concrètement, qu'est-ce que... Alors, juste pour savoir, juste pour vous indiquer, les gars, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas le contexte, ils n'étaient pas là ni hier ni avant-hier. En gros, on a un imam qui a fait un prêche, on dit ça comme ça, un prêche en direct sur Facebook, et il avait parlé de la CAN. Il a parlé de la CAN et il a parlé des drapeaux tricolores, où il disait que, ouais, c'est des drapeaux sataniques, il y a des embrouilles, il y a trop de nationalisme entre les pays du Maghreb, etc. Et dans ce lapsus-là, qu'il avait dit lui-même sur BFM TV, les gens pensent qu'il parlait du drapeau tricolore. C'est vrai que quand tu tapes drapeau tricolore sur Google, tu tombes forcément sur le drapeau français, parce que le drapeau français, son surnom, c'est le drapeau tricolore. Mais il voulait dire drapeau multicolore plutôt que tricolore, et après il y a eu une sorte de brouhaha, une cacophonie, ça a été repris par pas mal de médias et c'est tombé dans les oreilles de Darmanin qui a notifié une expulsion parce qu'il s'est fait suspendre. Enfin, il s'est fait annuler sa carte de séjour. Du coup, il y en a qui sont en mode « Ah, ça va, l'imam, il a pas un français parfait, laissez-le tranquille, il voulait pas dire tricolore, il voulait dire multicolore, etc., etc. » Il y en a qui disent « Ah, il a dit tricolore, il a dit français, il a dit français. Même s'il parle de la CAN et du football, il a dit français. Il faut qu'il parte. » Donc, ouais, c'est quand même un peu... C'est chaud. En vrai, c'est chaud cette histoire, les mecs, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il y a eu aussi un passif parce qu'il y a eu d'autres signalements en son égard. Alors, on n'a pas encore justement son historique parce que les gens, ils ont dit qu'il y a eu d'autres signalements, mais on ne sait pas ça parle de quoi. Peut-être que c'est les mêmes types de prêches ou c'est un peu, un prêche un peu sombre. Mais les gars, c'est tendu cette histoire en vrai. Hein. Ça fait la une des journaux depuis lundi, là. Hein. Est-ce que ça va entraîner là dans les prochaines heures? Non, il n'était pas sous OQTF, les mecs. Non. Ce recours aura pour but de suspendre, donc il y a deux effets, suspendre la décision de monsieur le ministre de l'Intérieur. Ils peuvent. Et la renvoyer au fond. Le fond aura lieu, ça sera étudié dans plusieurs mois. La suspension, l'audience en référé peut avoir lieu dans un délai de 24 à 48 heures. Je vais la saisir cet après-midi. Et donc elle aura pour but tout simplement de suspendre. Et ça veut dire quoi suspendre? Ça veut dire de démontrer qu'il n'y a pas d'urgence à expulser monsieur Majoubi. Et qu'on doit lui laisser le temps de demeurer en France pour s'exprimer et s'expliquer sur le fond des propos qui lui sont reprochés, notamment. Maître Amroun, Alexandra Gonzalez a une question pour vous. Si donc ce référé est audiencé très rapidement, ce qui va être le cas quand vous aurez déposé ce recours, concrètement, est-ce que cela peut suspendre l'expulsion ou est-ce qu'il faut attendre une décision sur le fond
pour que cette expulsion soit éventuellement annulée. Si annulée ou pas, ouais. Donc là, ce n'est pas un lapsus, le terme de drapeau tricolore ne veut pas forcément dire français à l'international, tu peux regarder si tu veux. D'accord, mais il parlait, le lapsus, c'était parce que les gens ils pensaient qu'il parlait du drapeau français. Donc là, t'as rien apporté, là, qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien compris, là. C'est pas un lapsus, il voulait pas dire que c'était un drapeau français. D'accord, bon, merci de ton intervention, mon gars, tu reviendras plus tard. Merci. Et la vision du tribunal administratif. Il a rien apporté. Alors, je vais vous faire une réponse très rapide en deux aspects différents. Légalement, c'est pas suspensif. Donc voilà. Ça veut dire que l'audience ne suspendra pas l'expulsion, même si elle vous... Ah, c'est pas suspensif ! ...vous donne raison dans un premier temps. Ouais, j'ai vu son premier message, les mecs. C'est-à-dire qu'en saisissant le tribunal administratif, le ministre de l'Intérieur garde une liberté sur l'application de l'expulsion. C'est-à-dire que ma saisine légalement ne l'empêchera pas. Ça, c'est la théorie qui découle du CESEDA, notamment le Code d'entrée et de séjour des étrangers. Par contre, en pratique... Et j'espère quand même que le ministère de l'Intérieur va quand même considérer qu'on est en train de parler d'un être humain qui n'a fait de mal à personne. En pratique, l'autorité administrative attend, avant d'exécuter la décision d'expulsion, attend au moins la première décision du tribunal administratif. Vous voyez ? Je constate également que la COMEX n'a pas été saisie. C'est-à-dire, ça veut dire quoi juridiquement ? La COMEX, c'est la commission d'expulsion. Ça veut dire qu'on estime que M. Majoubi présente un risque dangereux, sa présence en France aujourd'hui est... dangereuse quand même. Citoyens, vous, moi, tout le monde, à un danger imminent de violence, d'embrigadement, etc. Or, comme vous le savez, il est en France depuis 1990. C'est parfaitement outrageant de retenir cela. Mais il y a moyen qu'il se fasse expulser rapidement quand même, hein, parce que Darmanin, donc là, il a expliqué que c'est pas suspensif, mais Darmanin, déjà, il fait des tweets où il se targue de dire on a expulsé un tel ou un tel pour après mais les faits en bas, je sais pas si vous avez déjà vu les tweets de Darmanin, mais en ce moment il met des tweets du nom, prénom, les faits, expulsion, nanani nanana, il est rentré dans l'avion, hop là il rentre chez lui, etc. Mais là il y a moyen que ça aille vite aussi pour Monsieur Majoubi, hein. Ah, c'est quoi cette histoire de fou, frère? Ça date qu'il fait ça. Ça commence à dater, oui, ça commence à dater. C'est vrai que Darmanin, il le faisait avant, ouais. Je sais pas s'il a arrêté de faire ses tweets ou pas. Maître Amroun, il y a eu plusieurs signalements en ce qui concerne votre client, des signalements qui concernent notamment des prêches problématiques. On va réentendre dans quelques instants l'un d'entre eux. Est-ce que votre client a été interrogé concernant les procédures en cours avant d'être emmené ? Je vous prie de croire, chère madame, que depuis le début de cette polémique, de dimanche soir à aujourd'hui, nous n'avons reçu ni nous, monsieur Majoubi, ni convocation, ni audition, ni confrontation, ni demande d'explication par aucune autorité de police, de gendarmerie ou administrative. Nous sommes en train d'assister à quelque chose qui est une violation grave, inédite, des droits fondamentaux et des libertés publiques. On sait que votre client, l'imam Majoubi, avait prononcé, parce que ça a été filmé, les mots de drapeau satanique en parlant du drapeau tricolore. Il a expliqué sur notre antenne que c'était un lapsus. Du côté de la préfecture, on nous indique qu'il y avait d'autres prêches dans lesquelles il tenait des propos qui pouvaient être considérés comme du séparatisme. Est-ce que vous en avez discuté avec lui? Est-ce qu'il sait à quoi cela fait référence? Est-ce qu'il a d'autres regrets sur d'autres prêches qu'il a pu tenir, notamment le 2 et le 9 février dernier. 2 et 9 février. Wesh! C'est sérieux là, la pub? BFM TV, vous êtes des multimillionnaires, vous mettez des pubs sur YouTube. Monsieur le préfet du Gard dire ces jours-ci qu'il y avait des problématiques sur d'autres prêches. Je vous prie de croire que nous en avons débattu avec Jean, merci pour le raid. Bien sûr, relève du secret professionnel. Ce que je peux vous dire, merci. C'est qu'il conteste tout propos ambigu autre que celui pour lequel nous nous sommes expliqués jusqu'à aujourd'hui. Ambiguïté qu'il a reconnue, il conteste tout propos violent d'alcool sur un sujet religieux contraire aux valeurs de la République, oui, tenu dans ce prêche ou dans d'autres prêches. Donc, mais c'est-à-dire que ce jour, pour être plus direct sur la question, nous ne savons pas de quoi le ministère de l'Intérieur parle. Enfin si, pardon, mon client, on lui a remis un arrêté d'expulsion que je n'ai pas physiquement et que je vais avoir dans quelques minutes. Donc je ne connais pas encore la matérialité de ce qu'on lui reproche. Maître Amoun, restez avec nous. J'aimerais qu'on entende une partie d'un des prêches qui a posé problème pour que les téléspectateurs sachent exactement de quoi on parle. Mais ouais, j'en sais. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête.
qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là, dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, ces drapeaux sataniques, qui ne valent rien d'Allah. Ce qu'ils ont imposé, c'est tout simplement pour qu'on se déteste, que la haine, elle soit créée dans nos cœurs, pour qu'on ne s'aime pas. Maître Hamroun, votre client a plaidé le lapsus, le malentendu en ce qui concerne ses propos sur le drapeau tricolore. Il dit qu'il voulait parler de drapeau multicolore. A-t-il conscience que cette justification peut paraître bancale? Oui, madame, je le conçois. Je conçois que le propos peut être très dérangeant pour nos compatriotes, pour moi-même, mais nous sommes dans une optique d'explication. Cette personne ne le croira dans l'opinion publique. J'ai vu les sondages. Personne ne croira. Monsieur Majoubi, il a une barbe, il a un accent, il a un châle blanc sur la tête. Il correspond à tous les critères de ce que nos compatriotes craignent. Nous ne sommes pas naïfs. Mais lui, il est dans cette obligation de vous répondre et de vous dire, mesdames et messieurs, l'opinion, la justice, bien évidemment, il réserve ses explications. Il a une barbe. Je parle de drapeau au pluriel. Je ne dis pas le drapeau tricolore est un drapeau satanique ou diabolique et il n'y a que la loi d'Allah qui doit compter. Il parle bien de drapeau au pluriel. Il critique le nationalisme de manière très maladroite, très blessante. Mais il est dans cette optique d'explication. Le terme lapsus, bon, on peut discuter de l'étymologie, de la définition du terme lapsus. Mais il vous dit, je ne voulais pas utiliser le terme tricolore, mais multicolore. J'ai entendu, on lui dit, mais même si vous critiquez les autres pays, c'est contestable. Bien sûr que c'est contestable, mais nous parlons d'une chose précise. Est-ce que M. Majoubi constitue un danger pour l'ordre public en tenant ses propos et avec une explication qui est la sienne? Moi, je me demande si le ministère de l'Intérieur croit vraiment que M. Majoubi, en tenant les propos que vous avez rappelés, voulait dire que la France, la laïcité, l'égalité homme-femme, la liberté d'expression, étaient des principes sataniques ou diaboliques. Plus. Absolument pas. Vous citiez ces sondages, Maître Hamroun, je vous confirme 80. Il se défend l'avocat, ça va. Hein. Sérieux, en quoi c'est problématique à ce point-là? Vraiment, je ne comprends pas, il y a des gens qui disent bien pire. Et là, ça va loin. Mais c'est ce que je disais, 5 la 5, putain, le pseudo. Mais moi, franchement, c'est ce que je vous ai dit, les gars, la dernière fois, de dire, imaginons qu'on est dans une bulle, hein. on est ailleurs. Imaginons qu'il y a un mec qui tient des propos en mode le drapeau français est un drapeau satanique. En quoi c'est extrêmement problématique du point de vue de la liberté d'expression? Le mec, il a pas le droit de dire dans un pays libre comme la France que le drapeau français c'est un drapeau satanique. Il a pas le droit de dire ça, genre. J'arrive pas à comprendre ce truc. Parce que là, le mec, il tient des propos comme ça. Il est quand même sous une carte de séjour, donc il peut se faire expulser à tout moment, si on peut lui suspendre la carte de séjour. Mais nous, en tant que citoyens français, moi j'ai une carte d'identité. Si je dis demain que le drapeau français c'est un drapeau satanique, il va se passer quoi en fait? C'est pas une dinguerie quand même, le mec il a pas brûlé un drapeau. Il s'est pas torché le cul avec le drapeau français. Je sais pas moi, il a pas fait pipi sur le drapeau français, je sais pas moi. Surtout qu'il a pas dit ça. Ouais, je sais, c'est un oxyste, mais même, il a pas dit ça. Mais de manière générale, de tenir des propos comme ça, c'est pas un truc de ouf. Même brûler un drapeau, on s'en fout. Non, brûler un drapeau français, c'est quand même une... Enfin, les gars, faites pas ça quand même. Hein. Brûler un drapeau français, faut doser, les mecs. Hein. Faut doser. C'est peut-être le fait de le dire en prêche. Ouais, parce qu'ils peuvent dire que c'est du séparatisme, ils peuvent dire que c'est peut-être, je sais pas moi, une volonté d'acte terrorisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est répréhensible pénalement de brûler le drapeau, pas de critiquer son symbole. Voilà, c'est ça. Exactement. Il a vomi dessus de flanc. Comment ça? Il a vomi sur le drapeau français? MDR du séparatisme alors qu'il critique le racisme. Après, moi, je le défends pas, hein, les mecs. Hein. C'est les autorités qui pensent que c'est du séparatisme. C'est pas moi qui le dis, c'est les autorités. Hein. C'est pas moi. Donc, moi, je récupère juste les propos du ministère de l'Intérieur. Donc, bon. Le mec, il est imam, il a une foule devant lui, il a une responsabilité. C'est pas juste un mec random qui parlerait dans un bistrot.
Je vois ce que vous voulez dire, les mecs. Je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. Mais, ok, il est imam. Ok, il prêche, etc. On est toujours sur le cadre de la liberté d'expression parce que ces propos-là, ces propos du drapeau satanique français, présumé. Si Charlie Hebdo, demain, il tient ses propos, est-ce que vous pensez Charlie Hebdo, on va lui retirer leur accréditation, leur carte de presse, les poursuivre en justice pour rébellion ou je ne sais pas quoi? Mais impossible! Nada, rien! C'est impossible! Never, bah ouais! C'est surtout par rapport à ses anciens prêches, le 2 et le 9 février, pas uniquement l'histoire du drapeau, mais on connaît pas la teneur de ses anciens propos d'Ofla. Mais ça aussi, c'est pareil, ça, parce que le 2 et le 9, il a tenu des propos chelous. À ce moment-là, on aurait pu l'expulser s'il a dit des dingueries, mais on a quand même pas les propos, la teneur de ses propos. Mais quand il a fait le prêche sur la CAN, à ce moment-là, c'est tombé sur les oreilles de Damanin parce qu'il y a eu des partages massifs de la vidéo, et là, ils l'ont attrapé sur les précédents prêches. C'est bizarre quand même! Toi, tu prends ton ban vu que t'es un menteur. Allez, hop, tu dégages. C'est bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. T'as bien le mec de Stanislas? C'est qui le mec de Stanislas? Ah, le prêtre... pas le prêtre. Le directeur de l'école Stanislas. Qui a dit que les lois de la religion étaient bien plus importantes que celles de la République. Tout va bien pour lui. Je sais pas s'il a dit ça, les mecs, hein. Je crois pas qu'il ait dit ça parce qu'il a été invité chez BFM TV, mais je crois pas qu'il ait dit que les lois de la République étaient moins importantes que la religion. Si, si, il l'a dit. Ah ouais, il l'a dit. Sérieux? Oh. Et personne n'a attrapé sa veste sur ça? Oh là 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 là. Personne n'a attrapé sa veste. Ah, oh, c'est un truc de ouf. Oula. Non, il l'a sous-entendu d'Ofla, il ne l'a pas explicité. Ouais, moi j'ai un doute, hein. J'ai un doute, le chat. Attention les mecs à la fake news, hein. Attention, hein. Moi, il me faut une preuve, hein. Il me faut la minute exacte, hein. Il me faut quand même la minute exacte. On sait jamais, hein. Il y a beaucoup de faves dans mon chat, mon ref. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que t'as vu un fave sur mon chat, là? Je vais en ban, les mecs, hein. Je pense que je vais en ban, hein. Il y a des bans qui vont tomber, hein. Il y a des bans qui vont tomber, les mecs. Qu'est-ce que t'as vu comme message problématique? Qu'est-ce que t'as vu, monsieur Abdelhak Ma? Qu'est-ce que t'as vu? Atoll? Il est où? Atoll, lol. C'est qui, Atoll? Il a dit un truc dans le genre, mais c'était plus fin, mais les propos m'ont choqué. Atao, vous voulez... Ah, Atao! Qu'est-ce qu'il a dit encore? Mais moi, c'est lui qui doit parler, là. Sinon, il va se prendre un ban. Il va se prendre un ban. De soi, je te rassure. Non, donc là, je t'assure, il a dit un truc qui s'est rapproché, mais qui n'était pas exactement ça. Il a dit qu'il était soumis à la religion et aux règles laïques, etc. Les propos m'ont choqué, mais pas de rapport. Ok. Bon, toi, tu prends ton ban aussi, hop. 11% des Français ont été choqués par les propos de votre client, selon un sondage. Et là, pour BFM TV, est-ce qu'il a reçu des soutiens, votre client? Soutien? Il a, bien sûr, il a le soutien de ses fidèles, il a le soutien de ses amis. Et de gens ordinaires et du quotidien qui ne sont pas médiatiques, mais les gens de bonne foi, je pense, je ne vais violer aucun secret, je puis vous dire, et je m'arrêterai là, que beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels, beaucoup de vos confrères ont parfaitement compris que M. Majoubi ne critiquait pas le drapeau tricolore. Moi, j'ai énervé l'avocat, là. Parfaitement. Beaucoup de gens l'ont compris. Beaucoup et malheureusement, de gens. Les gens s'arrêtent, l'opinion publique s'arrête sur cette image. Je demande simplement aux gens, à nos compatriotes qui nous écoutent. C'est un père de famille qui élève, qui nourrit ses enfants et qui se lève le matin tous les jours pour nourrir ses enfants mineurs. Aujourd'hui, il est dans un véhicule en vue d'être expulsé dans un pays pour lequel il va simplement en vacances. Mm-hmm. Restez toujours avec nous, Maître Amroun. Alexandra, je me tourne vers vous parce qu'en plus de ces deux prêches problématiques, il y a eu d'autres signalements en ce qui concerne cet imam, lesquels? Il y a eu trois signalements au total. Le premier concernait le fait que, alors complètement décorrélé de la mosquée et de ses fonctions en tant qu'imam, la préfecture soupçonnait que l'entreprise qui est présidée par son épouse actuelle soit en réalité gérée par lui. Or, depuis 2015,
il a une interdiction de gérer toute société. Et donc, la préfecture a fait un signalement pour cela. Mais donc, rien à voir avec la gestion de la mosquée. Il y avait eu un autre signalement. Celui-ci concernait effectivement, là, cette fois-ci, la mosquée et le bail. Le fait que ce bail, les locaux sont prêtés par la mairie, enfin loués pour une somme très modique. Et la préfecture soupçonnait qu'il y ait pu avoir une sorte de trafic d'influence du fait que l'un des membres de l'association qui gère la mosquée travaille également pour la mairie. Ça avait donné lieu donc à un signalement et une enquête qui est en cours. Et puis par ailleurs, mais alors ça c'était pas un signalement, par ailleurs il y a eu un contrôle administratif en novembre dernier qui a été opéré par les services de la préfecture et qui a donné lieu à la fermeture des cours qui étaient administrés à des enfants âgés de 7 à 17 ans qui étaient accueillis là, 130 élèves à peu près, qui étaient accueillis en dehors des cours habituels, c'est-à-dire pour du soutien scolaire ou pour des cours d'arabe le week-end notamment. Le contrôle administratif a mis au jour le fait que les conditions d'accueil n'étaient pas réunies pour permettre un accueil dans de bonnes conditions du fait de la logistique du bâtiment et de la sécurité du bâtiment. Et donc, on ne peut pas parler d'école coranique parce qu'en réalité, c'était des cours d'arabe et du soutien scolaire, mais cette école avait été fermée en novembre dernier. Il faut abréger, meuf. Maître Amroun. Je suis pas misogyne, hein. Je suis pas misogyne, mais là, fallait abréger, hein. Là, désolé, hein. Faut abréger des fois. C'était long, hein. Très long. Ça fait beaucoup de dossiers problématiques pour votre client. Alors, je ne vais pas pouvoir vous aider là-dessus puisque je n'ai pas mandat par mon client pour m'exprimer sur les deux problèmes, à savoir concernant la société avec son épouse et la situation. Conflit d'intérêt, je crois, vous avez dit, avec la mosquée et la mairie. Ah, son micro, il détecte mal. Hein. Effectivement, c'est que lorsqu'on parle de fermeture administrative, ça ne concerne pas M. Majoubi. M. Majoubi, ce qu'on appelle quelqu'un qui fait des interventions ponctuelles. Et on va se parler très clairement, mesdames, messieurs. Le vendredi, il fait des prêches. Tout simplement, pourquoi? Parce que les pouvoirs publics, et ils ont raison, nous critiquent le fait qu'il y ait des imams qui ne parlent pas français. M. Majoubi a une certaine connaissance de la religion musulmane. Donc lorsqu'il s'exprime le vendredi, c'est parce qu'il parle aussi français, même si ce n'est pas un français parfait. Donc concernant tous ces signalements dont vous parlez, je relève une chose, c'est que ce sont des signalements qui n'ont aucun lien avec la radicalisation, le trouble à l'ordre public et toute velléité qui viendrait à démontrer qu'il est dangereux pour l'ordre public. Donc ce sont des questions commerciales, peut-être pénales avec la question de l'interdiction d'exercice, et sociétale avec des statuts qui auraient été mal rédigés avec la mairie, etc. Mais je n'ai pas mandat pour m'exprimer là-dessus. Pour assurer mon nom. Non mais là, s'il vous plaît, je vous en supplie. Mon adblock, il marche plus, là. Mon adblock, il marche plus, Crary, là. Maître Amroun, le ministre de l'Intérieur a réclamé l'expulsion de votre client il y a quelques jours. On voit qu'aujourd'hui, il est emmené dans un centre de rétention. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses vont vite, là? Mais ça va très vite. Je ne vais pas citer d'autres affaires médiatiques de la même ordre qui se sont déroulées il y a peu de temps ces derniers mois ou l'année dernière, mais on réserve à M. Majoubi un traitement de faveur qui est quand même extraordinaire. Si monsieur le ministre de l'Intérieur, pour qui j'ai le plus grand respect, nous entend, monsieur le ministre, convoquez-le par vos services administratifs, ou alors vous saisissez l'autorité judiciaire, je n'ai pas la prétention de lui apprendre ce qu'il doit faire. La voie classique, c'est que nos amis de la DGSI le reçoivent, lui posent des questions sur ce qu'il a dit ou pas, sur une appartenance à des groupes extrémistes, type salafistes, terroristes, djihadistes, tekfiristes, etc. Mais là, on lui donne même pas ce respect. On le prend, on part d'un tweet le dimanche soir, on ne l'auditionne pas, il n'y a aucun élément factuel, procédural, ni administratif entre un tweet et aujourd'hui, et on vient l'interpeller devant ses enfants, comme s'il avait commis une infraction d'une gravité particulière. Il est dans un état psychologique, peut-être que ça va faire plaisir à certaines personnes, mais il est dans un état d'avoir vu ses enfants le voir interpellé, menotté. Il est dans un état pas possible, bon, je l'ai déjà dit, pardon. Mais effectivement, cela va pas lui, il très vite, pas lui. Trop vite, et à mon sens, au mépris des droits et libertés fondamentaux dont il doit bénéficier et dont le tribunal administratif de Paris va statuer dans les prochains jours ou les prochaines heures de par notre saisine. Merci Samir. Darmanin, elle est quand même sacrément culottée. Hein. Le mec, il a vu que, vas-y, l'imam, il a dit des dingueries sur le drapeau tricolore.
Peut-être qu'il parlait des drapeaux français, on ne sait pas. Mais en tout cas, il met le paquet sur des mecs comme ça, alors que les OQTF sont toujours en liberté. Hier, on a eu un OQTF qui avait violé une grand-mère. Le mec, il était encore en France, alors qu'il a été déjà interpellé pour cambriolage avant son deuxième cambriolage, puis le viol. Le mec, au lieu de mettre le paquet sur les OQTF, ça va arrêter des imams parce qu'il a fait un lapsus, parce qu'il a je sais pas quoi, parce qu'il avait pas l'autorisation d'ouvrir une société et au final il a réussi à l'ouvrir, il a un peu détourné le système. Mais mets le paquet sur les OQTF, ma gueule! C'est un truc de ouf! Ouais, mais ça n'a pas de buzz d'ouf là. Bah crois-moi, en vrai de vrai, Bob l'éponge, moi je vous dis un truc. Le signal, par exemple, là on a quoi? On a 6% d'OQTF qui ont été exécutés, je crois, sur les 100% là, sur le nombre d'OQTF, etc. Si on a, je vous donne un chiffre les gars, je vais peut-être grossir le bail, hein. Si on a 60% d'OQTF exécutés, croyez-moi les gars, il y a un message qui va être envoyé en France et ça va faire du buzz. Croyez-moi, ça va faire du buzz les mecs. Croyez-moi, ça va faire du buzz. Vraiment. Vraiment. Mais bon, après c'est mon avis, peut-être que je peux me tromper les gars. Hein. Je peux me tromper, hein.